Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'essayer sur un nouveau format de vidéo que j'ai vu sur Internet à l'étranger concernant Escape from Tarkov. Il s'agit tout simplement d'une vidéo réaction sur la série Red, qui est sortie et développée, soutenue par Battle State, donc par Nikita et son équipe. Donc tout simplement, on va regarder l'épisode 1, qui est sorti il y a un moment déjà. Et puis, je vais réagir en direct. Voilà, pour info, c'est la troisième fois que je le regarde. Et je suis époustouflé par la qualité qu'ils ont fait sortie de cet épisode. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. On va mettre un peu de son, pas trop. Que je trouve ça magnifique. Les couleurs, les filtres, le matériel, hein, ils ont travaillé avec une petite dizaine de partenaires. Et en fait, à chaque épisode, on avance dans l'histoire. Et pour information, chaque épisode est meilleur que le précédent. Alors déjà que le premier est superbe, alors le 2 et 3, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir. Magnifique. Donc je mets les sous-titres en anglais, parce que les sous-titres français sont pas super. Très mal traduits. Comme le jeu d'ailleurs. Donc là, ça nous remet dans le contexte de ce qui va se passer dans la série. On va avoir beaucoup de références sur ce qui se passe donc en fait par rapport au jeu, hein, en termes de d'esthétique, des bruitages, tout ça. Et la gueule d'esclave, la même tronche. On n'a pas d'esclaves aussi moches que ça. Nous, ils ont tous 30 ans dans la zone. On devrait faire des vieux. Pourquoi on n'a pas fait de vieux? Il a pas vraiment beaucoup de cover, hein. Il loot direct, hein. La corde, très très bon produit à revendre sur le flea. Alors ça, dans le jeu, par contre, une balle, un scav. C'est plutôt 50 balles un scav dans le jeu, surtout depuis la 0.12 où les scavs sont devenus des T1000. La première balle, c'était un tir de Stormtrooper. Est-ce que vous avez un Ledix? Je suis preneur, je veux bien un Ledix. Et c'est bon, j'ai tout pris, vas-y. Il lui reste un briquet et une prise USB. Vas-y, prends. Mais c'est barré, le mec. Ah, c'est de la 12 à hein, mon pote là. Là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. Ça va, je suis mort, mais pas trop. Comment ça, tu... Il se respecte pas, le type.
La destruction de décor, ça c'est ce qui me manque sur Tarkov, ça serait trop bien ça. C'est comme ça qu'ils appellent les, qu'ils nous appellent les Européens à l'étranger. Moi, quand j'ai vu qu'à l'étranger, ils nous appellent toujours les Westerns, les gens de l'Ouest. Marrant. Nous, les appelons les étrangers, comme bon gros raciste qu'on est. Ça, je pense qu'ils vont le mettre plus tard, ça. Genre, quand tu seras à terre, tu vas pas mourir tout de suite, en fait. Tu vas être à... Si tu prends pas une balle dans la tête, ce serait bien que tu puisses être à terre et qu'on puisse te traîner, voir après, pour te soigner et tout. Il y a du potentiel, là. C'est, à mon avis, c'est un spoil contenu, là, qu'il nous faut. Ce serait bien. Ils sont en plein fight, ils sont en train de s'embrouiller. C'est comme dans le vrai jeu en fait. Hein. On crée plus qu'un TK et c'est très réaliste tout ça. Ah, silencieux. Par contre, les mecs, ils ont pas de recul sur leurs armes. Bonne thermique là, mon pote, t'auras clean toute la map. C'est bien fait. Hein. On a du bon matériel, les mecs. Faudrait qu'on puisse peindre aussi nos armes, ça serait cool. Il y aurait tous les kikoulol qui mettraient en rose. Mais c'est pas grave. Les Usecs, ils ont des armes qu'on n'a pas. Hein. La M16 avec le lance-grenade, là, je l'ai eu. Ça, on l'a pas. Heureusement qu'on l'a pas d'ailleurs. Ce serait un bordel. Ou alors, faudrait le mettre, mais avec des prix extrêmement élevés, genre 300 000 roubles l'arme, quoi. Dans le jeu vidéo, on peut pas malheureusement être si réaliste que ça. Parce que dans le jeu vidéo, il y aurait de l'abus. Ou alors, les mettre pas cher, mais un stock limité. Genre, pour tous les joueurs, genre 10 tous les 3 heures. Et encore, quand je dis 10. Souka! Il a été biflé par la roquette. Le non-respect roquette. Le souka roquette. Après le rasta roquette, le souka roquette. Ils prennent cher. Les bières, ils prennent trop cher. Ouais, les bières. Putain, fatigué. Les équipements, tout est magnifique. Donc voilà, to be continued. Surtout n'hésitez pas à aller bien sûr s'abonner à la chaîne de Battle State. Hein, c'est eux qui mettent tout ça, leur contenu sur cette chaîne-là. Rosenberg,
écrit bien sûr par Nikita Rosenberg et les Vintakov et Lostukov. Donc ça, c'est pour ceux qui sont fans du jeu, bah, on vous reconnaîtrez les noms. Donc, franchement, bah, super premier épisode. Vous allez voir qu'après l'épisode 2 et 3 est bien meilleur. On fera la suite bien sûr prochainement. Effets spéciaux, les caméras, les filtres, les équipements, tout est magnifique dans cette série. Et comme je le dis encore pour la troisième ou la huitième fois, les épisodes qui suivent sont encore meilleurs. Je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager. On se dit à très bientôt. Banzai!